Sœurs et frères, bienvenue à cette célébration où le Christ, source de tout amour, nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bienvenue aussi aux personnes qui sont unies à nous par le biais de la télévision. Et nous sommes invités à prier de façon particulière ce matin pour Madame Marie Cassard. La grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Le Père est à l'écoute de ses enfants qui se tournent vers lui. Demandons le soutien de sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui as incité tes disciples à prier sans cesse, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as prié le Père de sauver le monde, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui entends toutes nos demandes, prends pitié de nous. Que Dieu tout aimant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et nous prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que ton peuple observe tous tes commandements en t'aimant et en aimant son prochain. Accorde-nous toujours d'agir avec charité à l'exemple de Sainte Élisabeth de Hongrie pour être comptée parmi les bénis de ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la troisième lettre de Saint Jean. Mon bien-aimé Gaius, tu agis en vrai fidèle dans ce que tu fais pour les frères qui sont pourtant des étrangers. Ils ont rendu témoignage à ta charité devant la communauté de l'Église. Tu agiras bien en facilitant leur voyage d'une manière qui plaise à Dieu. Car c'est pour le nom du Fils de Dieu qu'ils se sont mis en route sans rien recevoir des païens. Nous devons donc, nous, accueillir de tels hommes afin de coopérer à l'action de la vérité en nous. Parole du Seigneur. Ensemble, heureux celui qui aime la volonté de Dieu, heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre, la race des justes est bénie. Heureux ceux qui aiment la volonté de Dieu. Les richesses affluent dans sa maison. À jamais se maintiendra sa justice. Lumière de cœur droit, il s'est levé dans les ténèbres. Homme de justice, de tendresse et de pitié. Heureux celui qui aime la volonté de Dieu. L'homme de bien a pitié, il partage. Il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera. Toujours on fera mémoire du juste. Heureux celui qui aime la volonté de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Par le nom de
de la bonne nouvelle, Dieu vous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait une parabole pour montrer à ses disciples qu'il faut toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne respectait pas Dieu et se moquait des hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire. » Longtemps il refusa. Puis il se dit « Je ne respecte pas Dieu et je me moque des hommes, mais cette femme vient me tourmenter. Oh, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez bien ce que dit ce juge sans justice. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Est-ce qu'il les fait attendre? Je vous le déclare. Sans tarder, il fera justice. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Acclamons la parole de Dieu. Sainte Élisabeth de Hongrie, que nous fêtons aujourd'hui, une aristocrate du XIIIe siècle, dont, a connu la souffrance. D'une charité exemplaire, elle a perdu son mari après un court mariage, qui fut très heureux. Elle a prié Dieu de lui donner les ressources intérieures nécessaires pour affronter son deuil. Elle a fondé par la suite avec son héritage un refuge pour les pauvres, les malades et les vieillards. Humble, elle est devenue une tertiaire franciscaine. Tous les saints, dont sainte Élisabeth de Hongrie, ont témoigné de l'efficacité de la prière. Elle met en contact le croyant ou la croyante avec la source sans fin de la vie humaine. Dieu se donne aux gens qui prient la force de son esprit. Cette énergie spirituelle permet à l'âme humaine de se dépasser et d'accomplir des choses dont il serait incapable autrement. Aimer gratuitement, accueillir l'étranger sans rien attendre en retour, comme le demande Jean dans la première lecture, tout cela est possible pour la personne inspirée par le Christ. Dans une société où domine l'individualisme, la prière est peut-être plus que jamais nécessaire, car elle permet à la personne de se décentrer d'elle-même. On peut évidemment voir aussi des effets superficiels de la prière. Certaines études tendent à démontrer qu'elle permet de
diminuer les tensions nerveuses. Ceci est intéressant. Mais est-il possible de mesurer avec exactitude une réalité qui dépasse le domaine du matériel? Quoi qu'il en soit, les paroles de Jésus sont un encouragement pour les personnes qui n'arrivent pas à ressentir la présence de Dieu durant la prière. Il importe alors de persévérer et de cogner sans fin à la porte de la maison du Père. Assurer que toute prière, Dieu les exauce au moment et comme il entend de le faire. Durant cette Eucharistie, demandons à Dieu la grâce, à l'exemple d'Élisabeth de Hongrie et aussi du Saint-Frère André, d'être des êtres de prière. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les présents de ton peuple, et tandis que nous rappelons l'amour infini de ton Fils, fais que nous sachions, à l'exemple de sainte Élisabeth de Hongrie, t'aimer et aimer notre prochain d'un cœur plus généreux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ravives toujours les forces de ton Église, par la foi dont témoignent les saints, et tu nous montres ainsi ton amour. Aujourd'hui, nous te rendons grâce, car leur exemple nous stimule, leur prière fraternelle nous aide à travailler pour que ton règne arrive. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, 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 le Seigneur.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Élisabeth de Hongrie, le Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Le Seigneur a transmis à ses disciples la prière par excellence. Redisons-la ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Pour la communion, il y aura un ministre en face de chacune des allées. Vous avancez en procession. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Toi qui nous as fortifiés par cette communion, Seigneur, aide-nous à suivre l'exemple de Sainte Élisabeth de Hongrie dans l'amour qu'elle a su témoigner et la charité dont elle fit preuve envers ton peuple. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu tout aimant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Prions sans cesse, sûrs que Dieu nous exauce. Allez dans la joie et dans la paix du Christ.